sakure evien. Bonjour à tous et bienvenue dans Weari. Content de vous retrouver à bord du Betticho 2. Direction Marais, de belles rencontres, de belles personnes nous attendent et tout ça dans le partage. Capitaine, la météo est favorable pour la traversée. Alors comme tu peux le voir, on a une belle météo aujourd'hui avec un vent de sud d'environ environ 15 nœuds avec une houle de sud de, entre 1 mètre et 1,50 m. Donc des conditions parfaites pour se rendre au Loyauté. On est là-bas, la maison il est là-bas, vers sud. Le sud. Ah ben non, on doit aller dans le sud ici, mais vers Inn. Bon, c'est juste à côté. Juste à côté. Ah, la place de l'île. Ah oui, merci beaucoup. Deux jours. Oui. Wendy. Wendy. Oh. Il est bon. Merci. Voilà. On est bon, on est bien. On est bien. Bon, bah c'est bon. Merci bien. Et puis bon courage pour la suite. Merci. Allez. C'est parti pour nous, hein. Les monnaies, on arrive. On est arrivé. Devant nous, la belle plage de Henny. Oui. Bonjour tout le monde. Allez. Bonjour. Allez. Ça va, va. Ça va. Il est bon. Tranquille. Tranquille, tranquille. Allez. Ben, merci pour merci de nous recevoir. Et puis ben, content d'être avec vous. Puis de voir aussi. Ça change un peu. Regardez les falaises parce que sur la grande terre, les montagnes. Si j'ai bien compris, ici on est sur le point du départ. Oui, voilà. Okay. Le point du départ, cet endroit s'appelle Inizidjij. Là où on va aller, on m'a dit que c'était juste 10 minutes. Non, c'est... non. Quoi? Ça a combien de temps? 2-3 heures de marche. Le temps qu'on traverse la pète qui est là, la pète qui est là-bas. Ok. Là-bas, la pète qui est là-bas, il s'appelle Tsal. Mm-hmm. Du coup, on va marcher tranquille, arriver là-bas, on va faire une pause de 5 minutes. Mm-hmm. De boire un peu de l'eau, pour des forces encore. Okay. On a encore une deuxième pointe à traverser. Oui. L'autre côté. On arrive au point de chute, au point de campement. On va faire un petit coup de chasse. On va aller chercher les biquettes au fond là-bas. Sinon, t'as pas de chaussures? Ben, tu connais déjà, rien que j'ai fait même pas 5 mètres. J'ai déjà les pieds. Ah, les pieds, ils ont réveillé un coup là. Les bottes. Les bottes, ah, comment? Moi, c'est pareil, les bottes, c'est meilleur. Poil. Ah, ben c'est bon. Oui. Au poil, au poil. Ben, moi, je au fond là-bas, là, les cailloux, c'est. Ça craint les cailloux. Ah, ben moi, je vais bien. Allez, olé. Oh. Merci beaucoup. Merci d'avoir pensé aux bottes. Hey. Pile poil, au poil. Bon ben, c'est bon pour nous, hein. Allez, ça fait combien de fois tu
tu vas sur le lieu là-bas. Une fois, de temps en temps. Il y a les marchés, on va aller chercher les cabos routiers, sinon les crabes, puis faire la chasse de biquette. Et puis voilà. Ça, c'est la famille des goyaves, c'est les petits sortes de goyaves, mais c'est des petits goyaves. Nous, on appelle ça en langue, c'est guava missile. Là, je cueille, comme ça, vous allez goûter. C'est des petits bonbons sur la route. Oui, bonbons, c'est cerises. Nous, on appelle ça des petits cerises, voilà quoi. Vas-y, on t'en goûte. À la tribu. C'est le petit sucré pour la route. Voilà. Je goûte. Vas-y. Poison. Ah ouais. Bon. Donne la force. Tu peux passer par là-bas. Ouais, je vois. Là, on va faire une petite pause. Le temps que Robin va fumer une petite cigarette, boire de l'eau. Là, c'est quoi? Premier campement? Premier campement? Ouais. Premier spot? C'est Waou. Ça s'appelle Waou. Waou signifie tourbillon. Enfin, ça tourne quoi, le vent. Le vent, il vient comme ça, le vent. Et ça crée un petit tourbillon de vent ici. Et puis là, c'est quoi, sacré aussi, ouais, tabou. Ici, oui. Nous sommes. Oui, ici, nous sommes depuis qu'on est rentré. Ouais. Tout ça, là, tout le long. Depuis qu'on est rentré, c'est quoi, tabou. Pas trop crier, pas trop rigoler, tout ça. Bon, tu as aussi le voter pour les campements. Oui. Hein? Oui, parce que pour ceux qui arrivent, pour beaucoup. Ça. C'est bon, Jean-Marie. C'est bon. Allez. Voilà lui. Dans 20h, 30h, ceux qui viennent après, nous on va expliquer que ça c'est la bande de Wehari qui sont plantés. Allez, c'est parti. Là, on est bientôt arrivé. Ah, d'abord, on arrive à. Ça fait des changements. Attends, faut que tu me le redis. T'as dit quoi? Répète. Ça fait des changements. Oui. C'est quoi? Perroquet. Deux perroquets en bas là. Bleu, perroquet bleu. On est arrivé ici au campement. C'est ici notre chute.
Bonne nouvelle, les gars. On a vu les biquettes. Ah, vous avez vu. Joseph, il est de côté là-bas avec le fusil. Là-bas, regarde. Ça veut dire que si on a vu deux, ça veut dire qu'il y a le troupeau. Et ils vont descendre. Hein. Ils vont descendre pour manger côté falaise. Hein. Ça que... On s'organise comment? C'est comment l'organisation? Parce que là, on l'a vu avec les jeunes. Là, on a fait du feu, tu vois, on a fait du feu. Ouais. On va d'abord descendre en bas, okay. Chercher des crabes, ah ouais. Coquillages, ouais. Oursins, pour manger. On va pas trop ramasser dans le tas, sinon ouais. Ça va être gaspillé. Ouais. Ça, juste 20 minutes pour ramasser, pas beaucoup. C'est pour la soupe ce soir. Les bigorneaux aussi, c'est pour griller au feu, manger comme ça. Et quand vous venez, c'est ça le plat? Oui. Le casse-croûte, on va dire le casse-croûte. Parce qu'on a emmené du pain, mais c'est ça le crêpe de falaise et puis les bigorneaux. Oui, voilà. C'est ça. On boit un petit café, casse la croûte à coup, un peu en trace. On passe là-haut, derrière. On va juste faire un petit coup de chasse pour voir s'il n'y a pas de biquette là-haut, avant la tombée de la nuit. Comment on demande? Putain, je veux que hé, ado, ado! Oh! Ado! Où? Tiens, mais pas de tout, t'as mon ado! Moi, c'est moi, tiens, mon ado! Dans le poche, là
prendre la bonne, on descend. Bon, on va tracer doucement. Parce que ça va y tomber la nuit. Hein. Le menu pour ce soir, c'est ça. Des, quelques plants d'igname qu'on a pu trouver au champ. Avec une, quelques bigorneaux, des croquettes. Et avec des crabes de Valaise. Ça, c'est meilleur. Ça. J'ai dit qu'on on parlait avec nous. Ça signifie quoi ici pour vous, le garde-manger? Garde-manger pour nous ici, c'est à venir ici pour... Voilà, entre nous les garçons, mais nous on vit ici, c'est pour... Voilà, quand on a des besoins, tout ça. Mm-hmm. Vient ici, c'est ramasser un peu des coquillages, des voilà, bigornes, tout ça. Mm-hmm. Puis après, manger un peu là. Puis après, on va emmener à la tribu. Comme là, en ce moment, il y a des événements. Mmh. Du coup, on va emmener un peu notre produit qu'on a, voilà, on a pris ici pour aller vendre un peu là-bas dans les marchés pour avoir un peu de pièces. Ça fait comme notre banque. On vient chercher les crabes, tout ça pour vendre, acheter à manger à la maison. Voilà, pour subvenir à nos besoins. Toujours dans le respect, on prend le peu puis garder un peu les autres. Okay. Pour... Faites attention. On ne sait pas tout prendre d'un coup. Voilà, on fait aussi gérer le... On essaie aussi de gérer. Parce que ici, tu vis ici à la tribu, tu vis du, voilà, du champ et puis de la mer. Mm. Du coup, c'est pas pareil comme quand tu travailles. Mm. Tu travailles, tu es obligé d'assurer le travail jusqu'à la fin du mois pour avoir le salaire. Mais nous ici, quand on, ça y est, on a vraiment dans le besoin. Mm-hmm. Mais tu sais que du jour, voilà, si tu viens ici, tu cherches un peu de tout. Quand tu repars, tu sais que voilà. Tout à l'heure, j'ai vu l'ambiance. C'est pas juste on est triste, on va pour aller chercher des crabes. Non, il y a une ambiance de... C'est une bonne ambiance. Oui. Bonjour. Bon. Oui. Mais t'as envie. Oui. Connais déjà. Oui. Pardon, Joseph. T'as dit quoi? On dit que la chasse est comme ça. Matin bonheur. Matin avant que le soleil se lève. C'est mieux. Ils sont déjà en bas, quand le soleil se lève, ils sont déjà au bord, avec, au bord de mer. Comme ça, là-bas, ils commencent à poster dans les falaises. Les autres, ils passent en bas. Bon, on laisse les garçons tenter une nouvelle fois chasser la biguette. On croise les doigts pour eux. Nous, nous avons rendez-vous avec Nidoïch pour un coup de pêche. Au pico, venez au pico. Ah non, c'est trop beau. Trop poil. C'est bon, comment on se prend fort. Hein. Merci beaucoup. Allez. C'est trop net. T'as juste. Bravo le son. Hein. Ça va, il... C'est le son du guerrier là. Belle là. Merci d'être venu pour ce coup de pêche. Tu peux me rappeler le coup de pêche? C'est pour
C'est pour la kermesse à la fin du mois de juillet. Là. D'accord. Nous, les jeunes, on organise un grand kermesse pour justement pour rénover le marché. Oui, pour la tribu. Voilà. Les jeunes se mobilisent pour ça, pour la chasse, la pêche. Hier, on était avec le coup de chasse. Voilà, coup de chasse. Et là, j'ai essayé de pêcher un peu d'ivano pour la glacière. Oui. C'est parmi dans le lot. On a organisé aussi des tournois de pétanque. Oui. C'est pour les lots aussi. Pour les lots aussi. Ouais. Donc là, ici, on pêche quoi? Vivano. Vivano? Ouais. Du vivano. Chacun a sa place, chacun oui, son rôle, ou toi voilà. Tu vas aussi à la chasse? Avant oui j'allais à la chasse, mais après voilà, avec le travail, avec le du coup ben, c'est un peu aux jeunes. Sinon des fois que je vais, j'accompagne un peu les jeunes à la chasse. Mais c'est plus comme avant. Hein. Donc, voilà, je fais pêche-chasse. Pêche-chasse. Ouais. Bien. Ça commence un petit et puis ça attire les gros, les petits. Comme on dit toujours, les petits, ils attirent les gros. Okay. Voilà. Ok. Trois dans la glacière. Oui. Abonne encore. Bon de Wachading. Voilà le soleil. Il est à peine 7h30. Il est samedi. On a tué déjà. Tiens, voilà le signal. Une fumée épaisse sort des sapins. Allons voir ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on a entendu qu'on était à l'heure en mer, le coup de feu? Oui, voilà, c'est bien. On n'a pas pêché trop loin. Quoi. À côté, comme ça, au cas où on entend le coup de feu, ben, c'est sûr que, voilà, ils ont réussi à tuer. Oui. Voilà, une fille, quoi. C'est pour la bonne. C'est pour la bonne. Là, il y a déjà une piquette pour la pétanque. Défi réussi! Des grands blancs. J'ai les pieds longs comme ça. Là. Oui, oui. Là, on a 300 mètres. Hein. Voilà. Voilà la bande. D'ailleurs, ils ont tué le biquette. Combien de biquettes? Deux biquettes. Là, on va rentrer à début. Là, il y a une coup de chasse.
passer une bonne belle journée avec la bande. Voilà, voilà les tueurs, les piquettes. Sniper. Les garçons ont encore quelques jours pour pêcher et chasser à nouveau. Nous, nous avons partagé avec eux une histoire encore inédite pour Wehari. Voilà. C'est la fin de... C'est quoi la chasse? C'est la fin de la chasse. On arrive à la tribu. On va aller planter ça, souvenir. Souvenir à... On va marquer la fin. Ah oui. La fin de Wehari. Bon, on arrive à la fin du magazine. Merci beaucoup parce que ça a été une coup de pêche, coup de chasse. On est passé, vous avez fait découvrir le quart de manger ici de la tribu. Bon, merci de nous avoir fait montrer votre petit, on va dire, petit paradis ici à la maison. Merci plutôt à vous, Cédric, pour votre reportage. Parce que ça permet de vous faire découvrir un peu dans le territoire. Merci beaucoup aux jeunes. Et acteur de ce reportage. Merci la famille. Merci. Oui. Peut-être on va se revoir un jour. Oh, oui. Merci beaucoup. Comme a dit Emile, on va se revoir un jour. Et puis quant à nous, on se dit à bientôt pour un prochain numéro. Allez Tata. Oui. Tata. Oui. Oui. Oui.